Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine de santé, Santé pour tous. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur les dysfonctions érectiles. Qu'est-ce que la dysfonction érectile? La dysfonction érectile peut se définir comme étant une incapacité à obtenir ou à maintenir une érection suffisante pour obtenir ou alors pour pouvoir effectuer un rapport satisfaisant pendant une durée minimale de 3 mois. Donc, ce sont des personnes qui, lorsqu'elles veulent avoir des rapports sexuels, ne parviennent pas à obtenir une érection suffisamment raide, pour employer des termes simples, suffisamment raide qui leur permettrait d'avoir un rapport sexuel. Donc, leur organe génital va rester flasque et ils ne pourront pas avoir un rapport sexuel. Concernant les causes, qu'est-ce qui peut occasionner une dysfonction érectile? Principalement, nous avons des causes psychologiques. Chez des personnes de 20 à 40 ans surtout, nous avons des causes psychologiques, c'est-à-dire parce que vous êtes stressé par le boulot, parce que vous êtes stressé par vos projets, vous êtes stressé par la famille, vous n'arrivez pas à avoir une érection parce que votre esprit est troublé. Donc ça, c'est la cause psychologique. Mais également, ce que vous devez savoir des causes psychologiques, c'est que au fur et à mesure, plus vous êtes stressé, plus lors du rapport, vous allez développer ce qu'on appelle le stress de la performance. Vous vous demandez, est-ce que vous serez à la hauteur? Et le stress de la performance aggrave votre dysfonction érectile initiale. En dehors des causes psychologiques, nous avons des causes physiologiques, c'est-à-dire, c'est une modification physiologique au niveau de l'organe génital. Il faut savoir que le processus d'érection concerne principalement une vasodilatation des vaisseaux sanguins, qui sont des artères. Donc, lorsque les vaisseaux qui sont de très petit calibre, pour une cause ou pour une autre, ça peut être une maladie, ça peut être le diabète, ça peut être une pathologie comme l'hypertension artérielle, ça peut être d'autres pathologies neurologiques, qui vont entraîner des modifications au niveau de ces petits vaisseaux-là, de telle sorte qu'il n'y a plus suffisamment vasodilatation, donc il n'y a pas un grand afflux de sang au niveau des corps caverneux. Donc, ce sont des sortes de tissus spongieux à l'intérieur du pénis qui, lorsqu'ils se gorgent de sang, permettent d'obtenir une érection suffisante. Donc, lorsque vous avez ces maladies-là ou d'autres pathologies, il y a des modifications physiologiques, tant au niveau des vaisseaux, parfois même au niveau central, parce que le processus commence au niveau du système neurologique central. Toutes ces modifications-là peuvent entraîner des difficultés à obtenir une érection suffisante, entraînant donc des dysfonctions érectiles de cause physiologique. En dehors des causes physiologiques, nous avons des causes hormonales. Tout comme chez la femme, lorsqu'il y a des modifications hormonales, chez l'homme, lorsqu'on peut avoir des diminutions de certaines hormones telles que la testostérone, ça peut également entraîner une diminution de la capacité érectile. Et enfin, en dernier lieu, nous pouvons avoir également les causes qui sont liées à votre hygiène de vie. C'est-à-dire lorsque vous êtes par exemple en surpoids, lorsque vous buvez beaucoup d'alcool ou lorsque vous fumez, ça peut entraîner également une diminution de vos capacités à obtenir une érection suffisante. Pour revenir au niveau du diagnostic des dysfonctions érectiles, lorsque vous avez, comme je l'ai dit, cette incapacité à obtenir une érection suffisante pour pouvoir avoir un rapport satisfaisant sur une durée de plus de 3 mois, vous devez vous rapprocher de votre médecin. Le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord procéder à un interrogatoire. L'interrogatoire va déjà lui permettre de définir ou alors de catégoriser vos problèmes. Est-ce qu'il s'agit effectivement d'une dysfonction érectile? Est-ce qu'il s'agit d'un trouble du désir? Est-ce qu'il s'agit d'un autre problème qui ne serait pas forcément une dysfonction érectile, une baisse de la libido par exemple? Et dans ce cas, si jamais il s'agit d'une dysfonction érectile, il va donc maintenant catégoriser vos dysfonctions érectiles. Est-ce qu'il s'agit d'une dysfonction érectile primaire, c'est-à-dire depuis le début de votre activité sexuelle, vous n'arrivez pas à avoir des rapports? Est-ce qu'il s'agit d'une dysfonction érectile secondaire qui sera apparue après, au début vous n'aviez pas de problème? Est-ce qu'il s'agit d'une dysfonction érectile qui sera apparue après 50 ans? Est-ce que vous avez des maladies, comme on a dit plus tôt, le diabète, l'hypertension ou d'autres maladies? Est-ce que vous êtes fumeur? Est-ce que... Et en fonction de cette catégorisation-là, il détermine qu'est-ce qui peut être à l'origine de vos problèmes. Et ensuite, il va établir un score. Parce que les dysfonctions érectiles n'ont pas le même niveau. Vous pouvez être à un score de 5, l'autre à un score de 25. À un score de 5, le pronostic n'est pas très bon
Par contre, à 25, vous avez une dysfonction érectile, une dysfonction érectile, comme on va dire, plus ou moins normale. Donc, voilà un peu la stadification. Après vous avoir examiné, après l'interrogatoire, le médecin va vous examiner. Il va déterminer s'il y a d'autres problèmes au niveau cardiaque, au niveau neurologique. Et après cet examen physique-là, il aboutit à un premier diagnostic et il demande des examens. Les examens seront demandés en fonction de son interrogatoire et en fonction de son examen clinique. Et grâce à cet examen, il va déterminer la cause exacte ou alors la cause approximative de vos problèmes et il va proposer un traitement en fonction de ce qui aura été retrouvé dans les examens et dans son examen clinique. Maintenant, ça nous permet d'arriver directement sur le traitement. Quel est donc le traitement des dysfonctions érectiles? Nous avons différents types de traitements. En principe, de façon courante, les gens connaissent beaucoup plus la sildénafine, qui est le traitement oral, mais il y a d'autres molécules également qui peuvent être prescrites dans le cadre de la prise en charge des dysfonctions érectiles par voie orale. Maintenant, lorsque le traitement oral ne marche pas, on peut procéder à des injections. Des injections intracaverneuses, des produits que les médecins connaissent, que je ne vais pas citer ici, soit en intracaverneux, soit de façon urétrale. On va vous injecter ces produits. Et si malgré tout, ces injections-là ne marchent pas, on peut aller jusqu'à mettre en place des dispositifs qu'on appelle un CAVOUM. Ça, c'est, vous pouvez vous rapprocher de votre médecin, il va mieux vous expliquer. Ou alors aller même jusqu'à mettre en place des implants chirurgicaux pour que vous puissiez avoir une activité sexuelle normale. Parce que comme on le sait, l'activité sexuelle a également un fort impact sur votre capacité psychologique. Parce qu'il faut savoir que les gens, même après 70 ans, arrivent à maintenir une activité sexuelle satisfaisante et ça améliore la qualité de vie. Merci. Ce programme vous est offert par e-Santé Cameroun. Visitez notre site internet www.isantecameroun.cm. Venez découvrir la médecine de famille et inscrivez-vous en un clic.